notre let's play sur GTA 4. Et aujourd'hui, bah déjà, on va appeler Dwayne qui a essayé de nous appeler. Donc, toute logique, on va le rappeler quand même. Oh, ils arrivent à pousser ma voiture. If things ever made sense? They made sense inside. 3 meals a day, time in the yard, lockdown at 8. Things out here is mad crazy. Tell me about it. On the down low? I think Playboy wants me dead. Might just let him do put a cap in my dome. End it all. That what you want? Seriously? Nah, fuck that shit. I ain't ready to go out yet. I need you to get him for me. I can't do it myself. He was my boy back in the day. That's something I won't be able to forget. Seem like you got my back, Nico. Help me out on this one, dog. I'll stick by you till the end. Take him out for me. That's a pretty heavy request, Dwayne. Playboy was your best friend. And he's always been straight with me, more or less. I'll have to think about it. Il faut que je réfléchisse. Et donc... Donc je peux toujours pas... je peux toujours pas me dire... Allez, repère-toi maintenant. On va appeler... voilà, moi j'aimerais bien en finir. On va appeler Playboy X. Yo, Mun, don't be trifling with me. You made a decision, you gotta fix this Dwayne problem of ours, yeah? Hey, it ain't our problem, Playboy. It's yours. That said, I know what I'm going to do. That right. You cold, Nico. Peace and love. Voilà. Donc là... The Holland Play. Donc là, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va choisir soit de tuer Playboy, soit de tuer Dwayne. Donc, les conséquences, bon, je crois qu'il n'y aura pas... au niveau des missions, il n'y aura pas grand-chose niveau conséquences. Je rêve où les taxis ont disparu. Ok, ici c'est bon. Et surtout, en fait, quand on aura tué l'un des deux, eh bien, on aura son appartement. Donc si on part sur ça, je dirais que le meilleur des choix va bien sûr être Playboy, qui que j'ai envie personnellement, c'est lui que dont je veux me débarrasser. Pourquoi? Parce que bon, des dires de ce qu'on a pu entendre, c'est celui qui respecte un petit peu le moins le Dwayne, qui lui est sorti de tôle, etc. Il respecte un petit peu moins et Nico a l'air de bien aimer Dwayne avec et aime un petit peu moins Playboy. Bon. Et en plus, il a un putain d'appart, donc voilà, on va faire ça. Ew, Playboy X. Yo, Whitey's back. Le petit blanc est de retour. Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would have put up more of a fight. I didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, motherfucker. I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! Il est vénère. Apparemment, il est vraiment vénère. Bon, du coup, on va se débarrasser de Playboy, hein. Hop. Bon, il y a tout son gang qui est là, en train d'attendre. Il y en a un là. Toi, bon, on va te retirer une petite balle. Repointe-toi, voilà. On va ressortir. Toi, on te tue. Ah, si, il y a un autre gars là. Oh, ok. Je le savais qu'il en restait un. C'est bon? Tous ses potes sont morts là? Voilà. I thought you was money. You a low rate bitch. You low rate bitch. You're a bad job, Playboy. Oui, tu n'es pas drôle, Playboy. Ah mais moi je pensais qu'il y avait plus de choses à faire en fait. Enfin, il y avait moins de choses à faire que ce serait simple qu'on pouvait le tuer comme ça. Mais il faut le poursuivre, sérieusement. Oh non, sérieusement. Sérieusement. OK. Even if you kill me, you're gonna have this whole town after your ass. It was you or Dwayne. I chose Dwayne. It was you or Dwayne. Viens là.
viens, viens, là, viens, 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 là, tu fuiras pas. Tu fais quoi? Voilà, Dwayne, c'est mon poteau. Je sais pas, il a bugué. Dwayne, I dealt with Playboy. You should know that he asked me to find you first. He was going to pay me a lot of money to do it. Shit, man. He was a good kid back in the day. Always hungry though, always wanting more. Maybe I should have seen it then. Kept a closer eye on him. You can't predict what people will become. You're right. I can't give you no money for helping me, son. But I got to need the Playboy's fancy silk sheet law. You can have it. Hey man, I seen where you're living. You should take it. Nah. You'll make me remember the kids too much. Maybe you'll stop by my place sometime. Ok, par contre y'a les flics. Non 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 non. Oh. Ok. Ok. Je me barre. Je me barre. On retourne à l'appart, hein, clairement. Je pense qu'on va retourner là-bas. On va, comme ça on n'aura plus les flics. Voilà. On monte. Oh bonjour. Hello there. Voilà, comme ça on échappe aux flics. Bon, ensuite, je vais. On va faire la mission de qui? Ray Bocchino. On est encore sur... Je pense qu'on peut enchaîner les missions de Ray. Ou repartir sur Jerry. Non, moi je pense qu'on peut continuer sur les missions de Ray. Au moins, on suit un petit peu l'histoire. Au lieu de passer d'une mission à une autre, au moins ça c'est bien. Faudrait peut-être que je dorme pour que ça passe. Non, ici. Bon, je reste dans cette tenue. Hein. J'ai la flemme de changer. Oh. Encore mon portable qui vibre. Je sais pas si ça s'entend hein, sur la vidéo. Bah, c'est quelqu'un qui commente, donc c'est votre faute. C'est votre faute, c'est quelqu'un qui a commenté. Je regarde ça, hop. Ok, bon. Un commentaire très bizarre, hein, déjà. Commentaire très bizarre. Je voulais juste... Bon, il faudra que je pense que... voilà. Non mais sérieux, il y a encore sa tête ici. Du coup, on a dit Ray Bocchino. Donc on peut passer en face. J'aurais pu faire... Oh putain, connard. Pourquoi il est obligé de sauter, mais vraiment loin? Mais moi je voulais sauter sur les escaliers. Mais non, il fallait que... Non. Bon du coup, Ray Bocchino. Bon c'est pas grave, on est mort, on a perdu notre... Oh! Là on a pris cher. Là c'était drôle. Bon, la place du passager. On va au repère. Chez Ray Bocchino. Bon, bien sûr, il faut toujours qu'il rentre dans les poteaux. Hein, ça, bon, ça c'est les taxis. Hein. Ray! Je suis là. No way on the subway. You check them out? Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million. Yeah. You gonna pop me for it? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up, and he ain't gone stage yet. Very funny, ha-ha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Bauxite and Exit. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell him about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure. You're sure, Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're yeah, a guy yeah, who knows yeah, what, yeah, right? Yeah, so okay. yeah. It's all right. Bon. On va au rendez-vous du gang des Lost. Ok. Bonjour. On va aller là-bas. Hop. C'est bien les taxis, moi j'utilise plus souvent, comme ça on fait plus de choses pendant les épisodes, on passe pas des 30 minutes, enfin 10 minutes par épisode à être sur la route.
Bon, ça nous demande un petit peu d'argent, mais bon, il y a tellement de thunes. Hein. You took something that belonged to my employers. Shit, that's the cocksucker that Johnny ripped off for the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Let's do this! Je rêve, il va falloir que je prenne... Oh ouais. On prend la moto. Ouais. Bon, on enlève la musique. Ok, bon. Hop, on fait ça. Et... Hop, hop, hop. Mais reviens là. Ta vie illimitée, toi? Ta vie illimitée, toi? Ok, un au moins. Ok. Your body is dead. Ton pote est mort. Ton poteau is mort. Très bien. Oh. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ok. Intuable, intuable. Ok, très bien. Ok. Faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe. Hop, hop, hop. Il y a le métro. Hop, hop, hop. Par contre, sur les rails, c'est absolument horrible. Hop. Mais viens là, mais bordel. Donc, les métros sont assez collés. Hein. Est-ce que... Je sais pas si c'est normal que... Je sais pas si c'est vraiment normal. Ouais, je pense qu'il faut juste le suivre. Et de toute façon, on peut pas le rattraper, donc c'est scripté. Mais bon, là, c'est un petit peu abusé. Hein. Les balles. Ouais, je me suis dit, oh, je peux dépenser mes balles. Puisque de toute façon... De toute façon, voilà, j'ai tellement d'argent sur le jeu. Normalement, c'est... De souvenir, généralement, moi j'arrivais à le tuer dehors. Je pense qu'il mourra d'une certaine façon, parce que là je peux pas le tuer. Hein. Ok. Bon alors, non, tu veux pas mourir? Tu veux pas mourir? Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. What the fuck? Ok. Wow, wow, wow. Ouah. Oh, oh je... Oh non. Par contre, tu vas du mauvais sens. Mais putain. Oh, je suis trop deg. Oh, je suis trop deg. En plus, ma moto est dans l'autre sens. Donc, Oh. Eh, est-ce que j'arrive à le rattraper? Vu le temps que j'ai perdu. Vu tout le temps que j'ai perdu. Oh, mais ça se trouve, ouais, on arrive vers... On arrive au moment où, je sais pas, il s'arrête ou quoi. Ah non, il m'a attendu. Oh, qu'il est gentil. Ouais, faudrait que je rentabilise ça, que je fasse pas de la merde. Mais il est... Ok, bon, oui, mais... Vous avez vu le temps que j'ai perdu? J'étais 100% sûr que j'allais perdre, mais non. D'ailleurs, on est ici, ouais. Non, c'est plus loin du coup qu'il faut... Je sais pas si c'est normal, hein. Voilà. Voilà. Bon, ok. C'était peut-être pas prévu. Bah, ok, j'ai pas tout compris. Hein. Donc, du coup, je les ai tués. Et on a Rebocchino qui nous attend encore là-bas. Ok. Je sais pas pourquoi. Je suis dans l'incompréhension. Maintenant. Oh. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. Ouais, d'accord. Il a envoyé d'autres gars pour s'en occuper. D'accord. Whoop. Taxi. Taxi. Bon, il y a un personnage, je m'en fous. Mission secondaire, je m'en fous. Hop. Moi, je veux le taxi. D'ailleurs, je suis passé juste à côté. Allez, on va voir Rebocchino. Il faudrait que je rachète des balles. Mine de rien, j'en ai utilisé beaucoup. Hein.
Attiré comme un débile, bonjour, le poteau. Et on peut aller le retrouver. Alors, est-ce qu'il va me retrouver late checkout? Listen, Dick, it's not my fault you got robbed. Not my fault. I had nothing to do with it. Nothing. You understand? I'm on a cell phone, you jerk. Oh, you want a me killed? Oh yeah? Screw you! I'm done with you. You understand? I'm finished. No, no, you know what? I ain't even started yet, you demon fuck! I'm in shit because of you, you piece of Hello? Hello? Go ahead! Open your mouth, asshole! Push your fucking luck! Ray! The fuck do you want? You told me to come. Well, sorry! Having a bad fucking day! Oh, I'm sorry. Leech is gonna talk. Go shut that stooge up. Shut who up? Isaac, the diamond dealer. Blaming me for everything. Everything. Even the shit we didn't do. Now I got no money. No diamonds. And this dick's threatening to have me killed. Blaming me, cause he got robbed. Okay, so? He's holed up in the Majestic with a couple of his cronies. Go shut those fuckers up. No problem. Hey, can I get a coffee, please? Allez, on va casser la gueule à... à Isaac, du coup. Hein. Bon, bonjour, bonjour. Hé, hey, arrête-toi. 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 Merci, 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 merci. Par contre, je les dégage, les deux meufs. Hein. Tu m'excuseras. Dégage-la. Toi aussi, je dégage. Oula. Boum, boum, il nous sort de la musique, de la vraie musique. Le petit taxi. Top hooker. Alors, le Majestic. Allez hop, on rentre. D'accord, mon perso, il est rentré directement. Ding, ding, ding. J'aime bien quand il me dit, va au Majestic. Ok, bah j'y vais. Trouve un moyen d'accéder à la suite présidentielle et élimine Isaac et les trafiquants de diamants. Ok, donc... Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. On a vu que c'était... Ça s'était ouvert. Ah non, ici c'est bloqué. Ici, ok. Non. Bonjour. J'ai pas masse vie. Hein. Ah, je peux appeler. Appeler l'ascenseur. Bon, si on ne dit pas qu'il faut appuyer sur les touches... lequel va s'ouvrir en premier? Celui-là. Oup. Bonjour. Tu te calmes. Tu te calmes. Toi aussi. Toi aussi. Non, ça va, il n'y a personne ici. Wow, non, mais le gars, genre, je suis arrivé. Et mon frère, oh, qu'est-ce que tu fous là? Allez, dégage. Mais à quel moment, genre, je peux être un éboueur? Je suis à du LSD. LSD. Le mec est vénère contre moi, clairement. Oh, toi, je t'avais pas vu. Désolé. Wow! Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Vous êtes un petit peu beaucoup. Beaucoup trop à mon goût. J'ai plus beaucoup de vie. Ok. Hop. Ok. What the fuck you want? You say you want to do this, huh? Oh! M'a fait peur. Asshole! Asshole! Sorry, out of order. Et si je peux passer, non. Juste là. Ok, bonjour. Hop, what? Ils sont beaucoup. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez des kits de santé par ici. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a plus personne. Oh, la musique est nulle. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Je tire comme un bolos. Je tire comme un bolos.
Hop, 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 hop. On va faire ça, hein, plutôt. Voilà. Non, non. Voilà, comme ça, ça va... On a réglé la chose. Toi, tu meurs. Non, je vais quand même... Oh. Tu m'as dit son of a bitch. Voilà. Oh, bah, il était dedans. Ça, c'était bien joué. Ça, c'était tout à fait prévu. Bon, du coup, hein, j'ai récupéré de la vie. C'était le plus important. Oh, désolé. Qu'est-ce que tu faisais, toi, là? Sérieusement? Pas de heal. Elle est morte, la meuf? Putain, j'ai mis une balle, elle est morte. J'aurais su... Wow. Barre-toi de l'hôtel, ben... Bah oui. Ouais. Bon. Mais pas. Voilà, je pense ici, ici. Tu dégages toi aussi. Il y en a encore un en vie. C'est bon. Et il faut dégager l'hôtel. On va descendre par ici. Ça m'a l'air pas mal. Oup. Avec les flics qui vont nous attendre juste en bas. Ça aussi c'est très bien. Très bien pensé, Nico. Bon, j'espère que cette fois-ci, là, il va nous sortir les bails de Florian Rebocchino, quand même. Florian Kravitch, je sais pas quoi. Hop, on va sortir par ici. Et on se barre. Okay. J'aime bien quand Nico s'accroche comme ça, il a l'air totalement débile. Oh, oh. Merde! Oh, il y a encore les flics quand même. C'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Oh non, Ray! Ray! Je me dis que c'est peut-être important. Screw you, Ray. I ain't your cleanup guy no more. You get that? All right, Nicky, all right. Don't go forgetting about respect or nothing. You're still just another straight off the boat punk. The city can get real scary if you don't got friends. You remember that? Ok, bon, c'était pas important. Je pensais qu'il allait nous dire ouais, je vais. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé l'adresse et tout. Ok, je vais être sympa avec toi, blablabla. L'adresse de l'autre là. Enfin, un truc important quoi. Attention, la voiture de flic qui est là-bas. C'est bon. Eh, on a réussi à échapper à un indice de 2 étoiles à pied. Allez, là c'est bon. C'est bon, là on échappe à tout. Et vite. Ils sont en train de s'approcher. Merci. Donc on n'a toujours pas d'autres missions de Rebocchino. Je pense qu'on est... On est bien, je veux dire, hop, niveau timing, on est peut-être à la moitié de l'épisode. On est à 23 minutes déjà, waouh. Bon, on va aller voir Jerry. Voilà, Jerry. Ok. Ah, mais non, attendez. J'ai un message de... What the fuck, attendez, hop. C'est quoi ça? Phil Bell. Ok, donc ça, c'est son poteau. Ça, c'est son poteau. Briefing... non, c'est pas ça, je m'en fous. Attendez, on est à combien de missions? Statistique 60. Oh. On est aux 2 tiers du jeu. C'est pas ça, bordel, je ne sais plus quoi faire. Non, je sais plus ce que je voulais... Ah oui, un message. Nikki, il faut que tu viennes nous retrouver, Phil et moi, dans un dépôt sur Normandie. Ciao. En Normandie, putain, mais c'est loin, ça. On m'a dit que c'était pas top, hein. Viens là. Viens là, toi. Quoique. J'ai quand même bien envie d'aller... Non. Je veux bien aller voir Phil Bell. Justement, au dernier...
à dernière ville, on n'y a toujours pas été, c'est vrai. Mais ça m'a l'air bizarre cet endroit. Ça m'a l'air bizarre le plan, donc je me dis tiens, j'ai envie de faire ça. Même s'il me reste un quart de ma vie. Truck Hostel. Truck Hostel. What about them swingers? How's Molly? The kids? Beautiful. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry the... guy with the hat. No, the guy with the, you know, the bada beep bada boop. Yeah, the guy with the... and the... Yeah, that guy. Yeah. Heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're going to ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now. Business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it, no problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just ask it. Get the hell out of here. Every time this motherfucker. Motherfucker. Ok, tu me rappelles. Ce serait drôle de d'éclater sa voiture. Du coup, je peux enlever ça. Et nous allons... Hop, enlever la musica. Hop. Et du coup, bon, allez, cette fois-ci, on va prendre notre petite voiture. On va se balader. On va pas appeler un taxi. On va faire comme à l'ancienne. Stop. In 200 yards, turn right. Ah, ce bon vieux... Je ne sais plus quel est le nom de cette ville. Hop. Alderney. Alderney. Ok, donc c'est Alderney. 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 Voilà, c'est une petite ville sympa. C'est... Je sais pas trop ce que ça représente. Moi, je connais pas très bien New York. Hein, c'est... J'ai jamais été. C'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard dans ma vie hein, si l'occasion m'est offerte, si j'en ai l'occasion. Ce serait sympa d'aller à New York qui est, à mon avis, une très belle ville. Quoique, moi j'en sais rien. Je trouve que c'est pas ouf. Il y en a beaucoup qui disent, autant moi, niveau ville américaine, j'adore Los Angeles. Chicago, ça m'intéresse d'aller là-bas, mais clairement New York, c'est pas le truc que je dirais où ouais, j'ai envie d'y aller. Quoi. Bon, pour moi, c'est, je ne sais pas. Mais bon, apparemment, c'est beaucoup mieux que Los Angeles. Donc, ok. Mais à Los Angeles, il y a le soleil et ça, c'est très important. You have arrived. Hop, on passe comme ça. Hop, tac, toc. Faut être à pied. Ok, faut être à pied. Chargement. Ok. Ok. Oulolo, mais c'est quoi tout ce monde? C'est quoi tout ce monde? Bon, et si j'ai juste à tout faire exploser, c'est bien, non? Je sais pas quand est-ce qu'on aura le lance-roquette.
On vole le camion, à mon avis. Il faut juste tuer tout le monde, hein, déjà. Ouais, ils sont très vénères. Ils ont l'air très vénères. Hop. Non, par contre, vous allez vous calmer. Voilà. Non, on va reprendre les grenades. Hop. On va faire ça. On va balancer. Hop, 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 hop. Ouh. Heureusement que ça a explosé ici. Hein. Voilà. Ils ont plus de couverture. Je peux maintenant tous les tuer. Et j'ai plus de vie. Hein. C'est tendu. Hop, toi aussi. Et... Ah non, il y en a un autre là. Montre-toi. Montre-toi. Non, tu veux pas te montrer. Tu veux pas te montrer. Ils ont que les fusils à pompe. Ah non, ils ont les fusils à saut et tout. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Having a good day. Hop, hop. Bon, lui. Lui aussi, il est dangereux. Toi. Toi, toi. Non, non, il est pas bon. Ouais, mais il y en a encore plein, là. Non, 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 non. Par contre... Par contre, toi... Toi, tu fais... Ok. What? What, 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 what? Oh. Va à l'arrière t'accrocher. Bah oui. Bah oui. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ouh. Ok. Allez, on va appuyer à répétition sur A. Ok, c'était très bien. Bon, à un moment... Dès que j'ai... En fait, j'avais quand même pressenti qu'il allait pas partir... Enfin, qu'il allait y avoir quelque chose d'assez spécial. Vu que... Hop. On va ramper. Comme ça. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ah, vas-y, repart comme ça. Ouais, tourne pas trop, mon petit gars. Oui, donc... Voilà, quand je le voyais ne pas partir, je me suis dit, ouais, non, ça va être... Je te jure, c'est pas bon pour toi. Oh, allez, dégage. Voilà. Mais je voyais le camion ne pas partir, je me suis dit, bon, bah, je pense que ça va être... Ça va être... Voilà, quoi. Ça va être truqué. Ok. Par contre, on va enlever la musique. On va faire ça. Bon, du coup, c'est un cadeau de mariage, tout ça. Ok. Ok. Je pense que ça va lui plaire, hein, clairement. Attention, je passe. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au moment où, voilà, je lui ai mis une balle dans la tête. Le mec, il était là. Bref, en tout cas, il a pas bougé. Wow, voilà, on sentait que ça allait être un petit peu scripté, hein, je suis bon. Ouais. C'était un petit peu abusé. Hop. D'ailleurs, ici, il y a une voiture cachée. Je vais vous la montrer pour ceux qui ne le sauraient pas. Par là-bas. Est-ce que... ouais, c'est bien... C'est bien dans la campagne, enfin dans le mode solo qu'on peut l'avoir. Pas dans le... Dans le mode multi, je crois que oui, on peut l'avoir. Mais j'ai un petit doute encore. Hey, you Frankie? Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Honeymoon. Ouais, sympa comme honeymoon. Lune de miel. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, on passe. Du coup, est-ce qu'on va l'appeler, le gars? Enfin, oh. 11 000 dollars. Pas qui? Non, pas du tout. Donc, si on va là... Oh, il faut appeler Belle. Your nephew's got his wedding present. Nicely done. He's a good kid. He deserves something special.
Hopefully you'll look after it. Nico, you looking for more work? I'm always looking to earn a bit of extra cash. Great. I know a guy who needs a man like you. Only operates on an outside line, though. Go to the payphone on the corner of Vitullo and Hardtack. He'll call you. Ok. C'est quoi? C'est un truc assassinat, non? Ou c'est quoi? Assassin, ok. Ouais, vu l'icône, c'était un truc comme ça. Et donc, ça, c'est une voiture spéciale. La Sultan RS. Puisqu'elle est très rapide. Très rapide, hein, pour ceux. Un message de Little Jacob. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais enlever ça. Message. Si t'as besoin de blé, Nico, t'as qu'à m'appeler. Batman et moi, on a souvent du boulot. One love. Bon, j'ai toujours pas fait leur truc à eux. Bref, voilà, on va tester un petit peu la voiture juste deux secondes avant de se laisser. Hop, voilà, c'est bon, on l'a bloqué. J'y ai cru. Hein. Hop, voilà, et hop, voilà. Wouh, ouais. Elle est quand même rapide par rapport aux autres voitures. Bon, ça... Bon, c'est pas ouf non plus, mais... Ah, oh, si. Oh, ah, par contre, elle tourne bien. Et j'ai encore un message de Paki. Eh, hey, passe un coup de fil à ma frangine, ça lui ferait plaisir et ça pourrait être cool, enfin, si t'aimes sortir avec une bonne sœur. Très bien. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. Et je pense que je vais appeler quand même la sœur de Paki pour avoir une petite chance. Je sais pas si ça change quelque chose dans le scénario, si on l'appelle. Et vu qu'il force un petit peu, je me dis bon allez, on va le faire. Donc je vais le faire en off, hein. Je pense pas que ce soit très important de le faire en normal. Bref, sur ce, je vous dis bye bye à tout le monde, à la prochaine. Bye. Oh, attendez. Ray. Hey, Nicky. You've been a decent earner for me and I appreciate that. I'm throwing you a bone. What are you waiting for? Throw it. There's some fellow called Talbot. Talbot Daniels over in the triangle. He's into me for about 10 G's and he says he might know something about Florian Kravitch. Florian? Days of searching are over, my friend. This guy should point you in the right direction. Ok, bah voilà, là, cette fois-ci, on... Weekend at Florida. Oh, non mais... Attendez. Oh... Attendez. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. Suspense. On va se retrouver la prochaine fois, donc je vais pas faire le rendez-vous avec l'autre. Mais on va... On va se retrouver du coup la prochaine fois pour savoir ce qui va se passer. Il se passe des trucs, Bref, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.